Federation scientists ask, who turned off the lights? Rolling blackouts plague the planet as bugs target Quilash's electrical grid. Industry grinds to a halt, threatening to paralyze the war effort. Military operations are underway to retake the critical power station and nip these outages in the bud. The mobile infantry will get the job done. Bon, et bien, bon retour parmi nous. C'est Krieger qui vous retrouve du coup sur Starship Trooper, Terran Command, du coup pour cette deuxième vidéo. Parce qu'on a fait une petite vidéo d'ailleurs que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu les premières missions, parce que là on est un peu plus loin dans le scénar. On doit être à la cinquième ou la sixième mission, je ne dis pas de bêtises. J'ai l'impression que ça commence à se corser, ce qui me fait dire que ça devient intéressant, parce que là je peux vous montrer autre chose, on va dire, que les prémices du jeu, qui vous présente, bah, regardez comment on fait pour déplacer l'unité, comment tu fais pour tenir une position, comment tu fais pour combiner différentes classes, comment les différentes classes se corroborent entre elles. Bref, tout ce genre d'informations qui concrètement sont utiles en gros quand on commence à jouer, mais qui sont toujours données dans des missions un peu édulcorées, histoire de vous faire un peu taquiner l'ennemi, mais sans trop vraiment vous mettre en grande difficulté. J'ai mis la difficulté intermédiaire, histoire de pas non plus se faire claquer. J'ai essayé la dernière, cruelle. C'est, en fait, ce n'est que le multiplicateur des dégâts que vous faites qui se réduit. Oui, c'est pratique, parce que, mais bon, vous avez déjà des unités ultra squishy qui tirent comme des dingues pour éliminer un arachnide, alors imaginez en cruel quand vous faites même plus la moitié des dégâts, quoi. C'est assez effrayant. Allons-y. Cette musique. Donc là concrètement c'est une mission, apparemment il y a plusieurs points d'insertion si je dis pas de bêtises, j'ai un peu regardé la mission en avant lors d'une première prise que j'ai faite mais qui a mal tourné. Donc allons voir ça. Bugs are holed up tight inside the power station. Gonna be a real nightmare to pry them out of there. Point taken, Colonel. But your mission is to root out the bug infestation and secure vital machinery around the facility. Initial priorities are the damaged power turbines. They'll have to be repaired by your combat engineers, but getting to them won't be easy. There are three possible insertion points for your force. The northwest, in front of the main entrance. To the east, at the end of the dam. Or to the south, by the storage tanks. The team on the ground has to make the call on how to proceed. Voilà, comme je vous disais, on a plusieurs points d'insertion, à savoir les trois points qui nous ont été présentés. Je serais assez partant de prendre... Bah, le point 2 me paraît dangereux parce qu'on est exposé au tour 80, ce qui est quand même embêtant, mais il y a du drop. Après, la difficulté, c'est que je ne sais que où sont les ruches, je crois. Ça. Et je n'ai pas les arrivées secondaires des bestioles qui sont marquées. Par exemple, celle-ci n'est pas marquée. Donc, ce qui me laisse supposer qu'à mon avis, on ferait mieux de partir sur le secteur 2. Allez, hop. C'est parti. Additional supplies are now available. Okay, we'll start the battle from here. Get some engineers out to those turbines. We need them up and running. Alors, il y a une chose que je peux vous dire par rapport au jeu, c'est le micromanagement. Bah oui, je pense bien, je suis d'arriver. Ce que je peux vous dire, c'est concrètement, on a quand même pas mal d'activités, mais voilà, il y a le côté micromanagement qui est un peu embêtant à certains moments. Parce qu'il vous force concrètement à vous coordonner, à toujours essayer de, mieux positionner vos troupes, mais à chaque fois que vous devez vous redéployer, ben, vos troupes gardent une configuration initiale, mais on rencontre d'autres difficultés quand on passe dans certains secteurs. Vous voyez, j'ai par exemple une position intéressante là, voilà, avec effectivement les lance-flammes qui se mettent sur le côté, ce qu'il faut, les radios à l'arrière parce qu'effectivement leur puissance de feu sert un peu à rien de toute manière. Voilà. Et alors après, par contre, on est loin des Joffles, hein, parce que, voilà, je leur demande un truc, et paf, voilà, ils ont décidé de se scinder, ce qui est une grosse sottise, parce que voilà, j'ai une équipe maintenant en contact, et vous remarquerez que les deux équipes ont préféré le parcours le plus court, résultat des courses, je peux pas leur dire, en gros, de venir fermer une ligne, et de maintenir la ligne, ou du moins la formation, quoi, pour faciliter les engloutir, je suis obligé de micromanager les unités à chaque fois, pour être sûr que tout se passe bien. Ce qui peut être un peu délicat à certains moments, vous en conviendrez. Je vais quand même appeler une autre escouade, parce qu'on ne sait jamais. Il va y avoir quand même beaucoup de monde au menu. Hein. Rapprocher les copains. Ramener une autre escouade sur le flanc gauche. La ruche a l'air pleine comme une huître là. On va juste avancer un peu les équipes. Et voilà, c'est reparti.
En avant. Grenade. J'ai fait le café. Alors, autre chose que je n'avais pas expliqué, vous avez une icône maintenant en haut, vous avez vu, elle passe du vert au rouge et au jaune, enfin, du vert au jaune et au rouge. C'est qui tire là. Oh mince. Il y a un autre passage que j'avais pas vu là. Alors je fasse gaffe. On va détacher une unité pour la défense de ce périmètre là. Ouais, et on va même être en une deuxième, à mon avis, en lance-flamme, histoire de contrôler. L'ennemi sur le trou. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de difficulté au niveau du micromanagement, mais bon, j'ai envie de dire, moi ça me gêne pas, j'aime bien micromanager. Voilà. Jusqu'à certains moments, c'est frustrant parce que vous avez une belle formation, puis elle va se défaire, et tout le monde a décidé de partir en gros en colonne, là, et vous allez prendre des caisses hein. Voilà, par exemple, là j'ai un peu mal à positionner les gars, il faudrait qu'à chaque fois, du coup, je les redéplace pour leur donner un angle. Le problème de ça, c'est que bon, bah, ça marche, hein. Mais il n'y a pas vraiment de solution. Alors, la solution consisterait en gros à déplacer les autres pendant que l'on soit le mid-chain, ce que je vais faire. Ça peut s'avérer un peu. Ouah, la vache, il y a du monde. Position. Allez, radio, Barryou. Voilà. Alors, il y a un autre un aspect positif par contre à ce jeu-là, c'est que le jeu a tendance à ne pas vous donner de semblant de pitié. Il y a vraiment des missions qui sont très dures et c'est pour ça justement que j'ai décidé d'enregistrer cette mission parce que, eh bien, il y a quand même de l'activité hein, et ça devient un peu plus ardu le temps passant. J'ai remarqué quelques fois du coup que, hop là, voilà, j'ai remarqué à plusieurs reprises, voulais-je dire, que ben voilà, il y a quand même des ennemis qui vous donnent du fil à retordre. Ça peut rapidement dégénérer si vous gérez mal vos unités. Hein, par exemple, c'est dommage qu'on puisse pas tourner la caméra. J'ai toujours pas trop le bouton d'ailleurs pour tourner la caméra. Mais bon, graphiquement, il y a des trucs quand même assez chouettes. Les animations. J'ai un peu envoyé à la boucherie, mais voilà. Une grenade pour redécouper tout ça. Même du gore, hein, c'est pas mal. Nos radio-gars, ils sont où là? Qu'elles aient ici. Droit dedans, les petits gars. De ce premier nid, deuxième est en activité. Pas mal. Mais on va tarder à sortir, je peux envoyer du coup les équipes se réappro avec des unités. Les bugs sont getting pretty pissed. We have to take out those bug caves and cut down their numbers. Alors, bah, donc je disais, voilà, vous avez quand même des levels qui sont complexes, parce que comme vous avez vu, je me suis fait flanquer, parce que j'ai pas bien analysé ma carte en vous parlant. Mais voilà, il y a quand même des... Le jeu vous fait des surprises autant par les unités, qui rampent up un peu avec le temps, que le nombre d'unités que vous avez, la technicité que vous disposez avec vos propres unités, à savoir que franchement, il y a des unités qui sont vraiment fun. Moi j'apprécie beaucoup l'aide tactique, parce qu'il a un lance-grenade, hein, ce qui est très fun. Vous avez aussi les unités nucléaires, là. Donc, enfin nucléaire, donc je veux dire lance-roquettes. Commanding, give us enough troops to keep the whole sector secured. Use gun turrets to support both defensive and offensive operations. Alors en parlant de ça, j'aimerais bien que mes ingés se bougent un peu les fesses. Et qu'ils nous mettent des tourelles actives, là. Alors assez loin par contre du problème. Qu'est-ce qui passerait là ? On va les mettre par là, les tourelles là. Une là. Une tourelle de proximité ici, voilà, ça devrait aider, comme ça elles sont capables de se couvrir mutuellement. Alors voilà, il y a quand même du combat, il y a de la technicité, il y a pas mal d'action, je dois reconnaître. Les unités que j'ai vues récemment, par exemple le Scarab, cette espèce de gros machin, le tank en gros, et ouais, avec son espèce d'effet lance-flamme qui sont très frustrants au combat parce que si vous n'avez pas de lance-roquette, vous êtes obligé de tout faire en gros à la grenade. Ça peut devenir un peu long le combat. Mais ouais, c'est quand même pas mal, les trucs assez chouettes. Vraiment par... Je trouve que les graphismes, franchement, sont pas mal. Hein. Il passe des trucs un peu bizarres avec les animations des fois, ouais, il y a des glitches un peu. Mais bon, les animes sont pas mal, je trouve, les effets aussi. Et au-delà de ça, bon, le jeu est fun en soi, le jeu est fun. Le jeu vous met quand même de la difficulté à certains niveaux. Il vous fait pas toujours des cadeaux, quand même. Ok. Alors voilà, ça c'est un autre truc, du coup quand les unités
prennent 3 points donc compétences, elles ont une action supplémentaire spéciale. J'aime beaucoup personnellement le lot explosif parce que ça permet d'éliminer les grosses cibles d'un coup. Par contre, je sors mes gars de là à chaque fois, ce qui est un petit peu délicat au combat. Mais ça reste faisable. On va se rapprocher délicatement. Limiter anti-flamme. C'est pris une caisse, ouais. Je sais pas comment ils ont fait, mais apparemment ils sont pris une caisse. Bon, pas grave. En même temps, sortir une unité lance-roquette, disais-je. Tac. Alors, des fois, je sais pas trop pourquoi ils galèrent un peu à se mettre dans l'axe de tir. Ça là. Et on va appeler nos copains. Unité radio, redéploie-moi ça ici. Ré-appro. Zone sécurisée. Alors le radio est assez utile parce que bon, à part au combat où il sert un peu à rien, ils peuvent vous donner des sites de redéploiement comme ça pour appeler des renforts à peu près partout sur la zone de combat. On va en profiter pour filer un coup de main, finir ça. Le lance-roquette va se rapprocher en cas de pépin à plus de 4 battes, si vous voyez ce que je veux dire. Les gars sont partis, on peut donc avancer. Il y a plus de risque. Il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Ouais. Je pense qu'on va aller se focus là-dessus maintenant. Ouais, on va faire ça. On va aller du coup vers ce bâtiment. Je vais envoyer déjà la première équipe sécuriser ça. Ah, shit. Ça, à mon avis, ça va venir du coup par le barrage. Ouais. Ça va tellement venir par le barrage. Il me faut un goulot d'étranglement. Envoyez-moi une équipe lance-flamme là. Deuxième unité mitrailleuse. Il devrait les retenir un petit bout de temps quand même. Il va pas falloir que j'équipe aussi un lance-roquette ou deux. Mais vous avez tourelle lance-roquette aussi, ce qui est pas mal. Mais là, ça me consommerait tellement de points, ce serait un peu bête quand même. Est-ce que j'ai un truc différent à utiliser? Non, pas pour le moment. Il va falloir que je conquère d'autres points. Alors, vous pouvez aussi redéployer du coup si vous avez d'autres postes, d'autres avant-postes comme si, comme des postes radio, pardon. Vous pouvez aussi redéployer au trou d'un point A vers un point B. C'est plutôt pas mal en soi. L'unité lance-flamme, on va le faire venir avec nous. Normalement, cette ligne de front devrait tenir à peu près tout seul. On va en profiter. Tell us what to do. En position. Let's Allez, go. Hop. En avant. Roger that. Et parti. Ouais, lance-roquette qui commence à faire le café. Un lance-roquette très efficace en gros sur les unités lourdes notamment. Après, sinon, il faut avoir des options spéciales pour pouvoir faire plus de dégâts. On a un poste radio ici avec apparemment un point de supply, un point d'appel et un point du coup pour une unité supplémentaire différente de celle qu'on a déjà. Je fais un truc, c'est que j'essaie d'attirer l'ennemi par ici. Un contact. Et on peut canarder sur les autres carreaux là-bas. Pas mal. Voilà, donc vous voyez quand même, le jeu vous file quand même de fois des petits tuyaux comme ça, vous avez des zones intéressantes. Au début, par contre, l'officier en charge de vous filer des briefs de mission que vous avez vu tout à l'heure, sympa, parce qu'il vous file quand même pas mal de coups de main. Après, le temps passant. We're gonna need some heavier firepower to punch through. Request has been granted. Troopers armed with Merida 2s are dropping now. Get an ammo dump set up to support deployment of these squads. Merida 2, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Merida 2? Bah, écoute, on va appeler. Hein. Sensors are picking up new bug hive activity. Ah, ils ont mis des batteuses, ah oui, quand même. Parce que moi, c'était une de mes principales plaintes, on va dire, en cadre de jeu. C'est concrètement, c'est sympa. Mais canarder avec des fusils d'assaut, dans le film, ça reste quand même assez inefficace, je dirais, face à la marée d'ennemis. Alors, j'ose supposer que le Merida 2, du coup, c'est une version batteuse. Je sais pas si ça trimballe, les mecs, là. Non, je crois que c'est le fusil de la fin du premier film, ça. C'est un truc qui tire des balles explosives ou je sais plus quoi. Fusil Merida est produit excellent, des longues portées contre les cibles de blindage léger, à moyen grâce à un lance-grenade intégré. Oui, en gros, c'est un fusil standard avec plus de balles et un lance-grenade intégré.
C'est bien, on a une unité d'assaut. Et alors, les trucs spéciaux, vous avez, je sais pas si vous avez vu, ils ont aussi des attaques spéciales. Que eux seuls peuvent utiliser en gros contre les bébêtes. On va essayer de voir ça. Sir, Intel reports a new bug threat in our sector. I don't care if it's inbound. Mouvement d'attaque coordonné aux unités de se déplacer à un endroit en attaquant. Ça, je fais attention, ils me font par défaut. C'est bizarre. On va envoyer l'unité Morita 2 voir. Pour voir ce qu'il bricole, honnêtement. En termes d'efficacité au combat. J'ai besoin de savoir si je peux vraiment m'en servir pour le cac ou pas. Si c'est juste en gros des unités un peu. Appui ou pas. Ah, j'ai pas mon raison de savoir. Bon, on n'aura pas de contact ici. Sur mes ingés. Engineers reporting. Mais là, la batteuse. Bon, il tient d'être là. Ouais, tiens, un lance-grenade. Effectivement, c'est quand même plutôt sympa. Il y en a des un peu plus gros là, tigre ouais. Les normal c'est égaré, enfin les normaux c'est égaré, les tigres par contre sont l'air un peu plus stock. Ouais, ouais. L'air un petit peu plus dangereux les larrons. Hein. Vous êtes en mesure d'aller me réparer ça tant qu'on y est. Donc, on va se mettre ici en défense, on va voir comment ils s'organisent d'ailleurs. Intrigué. Croissance de ruche, qui peut en savoir plus. Alors oui. Il y a aussi l'espèce de mutateur qui arrive au milieu de vos missions qui fait qu'en fait la difficulté de la mission va accroître simplement parce que bah, vous avez des effets comme là la croissance de ruche qui fait qu'en gros bah, il y aura de plus en plus en gros de bestioles qui seront produites plus facilement et vous avez bah, les tigres justement voilà sous espèce du coup puissante du guerrier voilà. Ils sont un peu plus résistants que la norme voilà donc c'est des choses qui vous permettent en gros dans le cadre d'une mission quand même de vous sentir quand même pas en confort même si la mission est déjà faite. Bah c'est we just got one turbine up and running. Move it to the next one now. You might have to pick up the pace. Brass is feeling the pressure. Okay, okay. We'll step on it. Là maintenant il va falloir qu'on aille sécuriser par contre la partie nord. Bazar. Alors l'escouade est prête. On va leur filer le peupon. Notre escouade est prête. On leur remet les grenades. Et pour le moment, bah, tout le reste n'a pas bougé. Donc maintenant, on va aller s'occuper de la deuxième ruche. Non, la troisième ruche. C'est vrai que ça va déjà deux, on a pris, c'est bien. On progresse, on progresse. On progresse à bon pas, je trouve. On a une bonne cadence. Alors, je me demande un truc. Non, ils seraient capables de contourner pour aller là-bas. Mais je pense qu'ils attaqueraient ici, pas en premier. Donc, je pourrais peut-être discard une tourelle quand je serai allé un peu plus loin. Alors, même la faire maintenant. Je pense pas que ça soit. Ah, bah là, tiens. Hein. On va retirer une. A mon avis, c'est largement suffisant d'en avoir deux. Ouais, c'est largement le cas à ce stade. La difficulté, vous voyez, c'est que j'ai un canyon du coup à franchir pour aller du coup vers l'entrée de cette saloperie. Et en plus, ils ont un nid de reproduction à côté. Ils vont avoir plein de petits qui vont arriver rapidement. Ça, vous me le poussiez. Tiens, ce roquette, oh. Ça va aller vite là. Ouais, le petit qui se trimballe. Cramez-moi ça, cramez-moi ça. Ouais, ils ont du bol là, le petit lance-flamme. Ton ennemi était pas loin là. Roger that. Contact direct là. Alert. Bug attack inbound. Ouais, pas grave. Allez, envoyez-moi une escouade qui est bonne là-bas. Allez, c'est bon. Alors, ils ont un truc, c'est quoi? Capacité d'élite, alors. Explosion déchirante. Ok. Ouais, donc.
anti-aérienne lance une salve de grenades à air comprimé et endommage les unités volantes. Zone moyenne, ok. Non, on va plutôt rester là-dessus, parce que les unités volantes, honnêtement, on arrive bien à les décimer. Ah oui, il y a ça aussi. Alors, le pyromane, donc l'ogive tempête de feu, ou l'ogive bonbonne. Alors, bon, qu'est-ce que c'est? Regardez. Ouais, en gros, c'est... Ouais, elle n'a pas le... Vraiment, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, là. Allez, on va envoyer l'équipe sécuriser ça. On va remonter sur le nord vers le deuxième secteur, et on rebifurquera du coup pour reprendre l'autre station ici. Ce qui devrait petit à petit nous amener vers notre objectif. Savoir qu'on est toujours un peu en difficulté au niveau des ressources. Alors, on va demander une zone de drop ici, et les copains, vous allez vous réappro pronto. Est-ce que c'est... Ah, une toile lance-grenade, maintenant on a du 9. Cool. On a du 9. Bon, bah c'est bien, tout pour le moment on se passe bien. Je suis assez étonné par contre qu'ils envoient pas plus d'ennemis au centre. Hein. Après, si ça tient, moi ça me pose aucun problème, je trimballe tout mes gars et on va se faire une petite bromnade. Y'a aucun problème avec ça. Alors c'est pas parce qu'on a bousillé du coup cette saleté qu'effectivement on n'aura pas d'ennemis supplémentaires. À mon avis, ils vont pas tarder, mais il faut juste qu'on comprenne à peu près où ils sont. À mon avis, ils doivent tous s'en occuper. Oh merde, ça a pas tenu. Pas tenu. We've lost contact with a comm space. On va laisser une unité sur place parce que là, ça risque de jaser assez rapidement en fait. Bon, et ben on se replie. Ah, c'est un peu le ventre mou de ma ligne de front, honnêtement. Ça contourne. Ah, c'est les tigres qui me posent du problème. J'ai quelques soucis là, pour reprendre les terrains. Stash your tools and move out. Ouais, voilà. Engineers, follow me. Roger that. Je sais pas, yes, sir. Sont là. Affirmative. On commence à prendre le tour. Burn them. Stash your tools. Ligne de front, ça serait bien. Sir, comms moving out. Mais où? Bon, pour le moment, ça se passe. Hein. Franchement, j'ai pas beaucoup de difficultés à rencontrer. Toilette fond de café. Faut juste que je me démerde en gros pour laisser une équipe d'appui avec une tourelle ici. Ils sont où? Ils sont là. On va leur filer quelque chose d'un peu plus costaud. Ouais, il leur faut de la puissance de feu surtout. Ça va devenir compliqué à gérer ces lignes de front. Ouais, il va me falloir une équipe. On va envoyer un lance-flamme là-bas, je pense. Je vais être obligé de discard mes lance-flammes. Alors, c'est chiatique. J'ai mal géré mes unités en fait. Je vais peut-être discard du coup une unité spéciale. Ah, mais j'ai besoin de ligne arme. Non, faut juste. Faudrait être obligé de rusher. Unité lance-flamme, par contre, on va la rapatrier 2 secondes pour faire les réparations. Pas le choix. Hein? Et le reste de l'unité, bah écoutez, on va bifurquer. Je vais vous laisser un détachement en défense ici avec la batteuse. Le reste du groupement, c'est bon, on peut y aller. On savait que ça allait être compliqué de toute façon déjà, parce que la ligne de front, voilà, elle est bien étendue maintenant, donc là du coup ça me pose des problèmes pour mes manœuvres, quoi. Honnêteté, c'est quand même... ça reste un peu facile, mais bon, je veux dire, voilà, ça reste gérable, quoi. Juste faire gaffe à ce que vous faites parce que quand c'est des petits ennemis ça, mais quand c'est un tigre par exemple, ça devient un peu plus délicat. C'est pas du tower défense non plus, hein, mais effectivement quand même il y a des difficultés par-ci par-là quoi. Ça techniquement ça tiendra, donc je peux juste resserrer les tourelles. Engineers reporting. Sir. Et à ce sujet, on va leur filer chose pour moissonner un peu plus vite la ligne de front. Voilà. La difficulté là, c'est que du coup j'ai des ennemis différents, donc il me faut aussi du matos pour bousiller les ennemis, quoi, pour gérer tout ça. Quoi. Ok, donc mes gars sont repartis, on est en position, on va grimper et on va aller prendre ce prochain PDR. En pack. Hop.
J'aurais peut-être géré un peu plus ma reconnaissance, honnêtement, mais je travaille toujours en ligne de front, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Alors, nouvelle compétence, tac-tac, transmission motivant, donc ça booste en gros le moral de nos guerres dans une zone. Résistant à la suppression. On tendance à tirer les bestioles, mauvaise idée, ça a déroulé, tir d'appui. Ah, oui. Ah, bien. Vendu. Tir d'appui, c'est bon, ça. Ouais, je peux pas le tester pour que je me fasse une idée du bazar. Ah, parce qu'il faut poser un truc, le gars. Ah, ouais. Roger that. D'accord, c'est juste en fait, il se met en survol et il mitraille. Ok, cool. Affirmative. Ça va. Yes, sir. Affirmative. En cap. Oh, les bestioles. Y'a de la bébête, les gars. Sir, arachnids are disrupting one of our bases. Pyromane. Oh, it's about to get real. Ok, bon, bah ça c'est pas mal. Hein. Ah, du coup, la difficulté c'est qu'il faut absolument que je contourne la zone de feu. Alors, voir si ça fait des dégâts ou pas. Ouais. Les mecs veulent pas marcher dedans en fait. Ils veulent clairement pas marcher dedans. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, au moins aussi que ça marche comme ça. C'est pas mal parce que, effectivement, quand c'est un scarab, ils foncent droit dedans, les mecs. Je suis un peu débile. Après, bon, je suppose que c'est pour me donner un peu plus de fil à retordre, évidemment. Alors, s'il y a un tunnel ici, je n'en vois pas. Ils sont pas C'est dommage parce qu'ils sont révélés, les tunnels ennemis, par contre. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop compris depuis le début, en fait. C'est que, bah, moi, je m'attendais plus, en fait, à ce qu'on me dise rien. Et en fait, ils disent tout. Ils vous disent où sont les tunnels, ils disent où sont les trucs, les zones, justement, de ruches. Tout ça, en fait, est mappé. Donc, bon, c'est dommage. Honnêtement, je m'en connais pas plus que ça. Ça permet en gros de savoir où je dois aller, mais honnêtement j'aimerais bien avoir l'option, au moins l'option, de choisir si je les vois ou pas dès le début, quoi. Est-ce qu'on la contrôle pas? On la contrôle pas, donc faut que je sois un point d'entrée. Ouais, on va passer par là. Ouah les mecs, non, mais faites, soyez pas débiles! Voilà, parfait. Ah, efficace quand même. Profiter de sa présence pour continuer un peu le bazar. Ouais, ça drop quand même. Hein. Alors voilà. Unité d'appui sur la droite, ramassez-moi ça. Alors ça, c'est du matos en fait qu'on peut ramasser. Waouh, non, ramassez rien les gars, on tire. C'est vrai qu'en même temps, ça se morfond dans le décor, leur tunnel. Hein, fichu galerie. Donc on peut rapidement se faire surprendre quand même. Là, j'étais pas loin du massacre, là, quand même. Faut vraiment être sur les clics en permanence, quoi. Et le ravito, c'est bon. C'est bon, c'est ça. On va pousser récupérer l'autre, là-haut. Faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop de monde sur le chemin non plus. En parlant du loup. Ah bon, j'ai pas le raccourci. S, d'accord, ok. Toucher, c'est probablement la dose dont vous aurez le plus besoin dans le jeu, maintenant, pour empêcher vos alliés de faire les cons. C'est malheureux, mais des fois, ils réagissent pas, ils foncent dans le tas, face à l'ennemi, même si c'est qu'ils vont se faire tailler en pièces, mais ils y vont quand même. Pourquoi pas. Parti. Canard. Hop. Voilà. Au-delà de ça, il y a une autre entre par ici qu'on pourrait canarder. On va le faire d'ailleurs. Voilà, terminé. On peut le temps de répondre. Le tunnel est verrouillé, donc pas de bestioles qui sortent de par là. Donc comme vous voyez, ça reste quand même assez tactical. Hein. Moi, j'aime bien. Il y a une bonne dynamique de combat. Le combat est intéressant. Alors, pas toujours. Mais généralement, les missions vous servent des trucs sympas au début et ils galèrent à la fin. Genre le réveil de la ruche, quoi. Plus vous passez de temps, plus ces mutateurs en fait s'accumulent, ce qui fait que vous êtes de plus en plus en difficulté, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Je connais pas tous les systèmes du jeu, ils sont pas tous bien expliqués honnêtement, mais je dois reconnaître pour quelqu'un qui aime en gros Company of Heroes et tout de ce genre-là, là en gros c'est un peu Company of Heroes zombie mode en gros, hein. On va pas se cacher. Les bestioles qui arrivent en permanence, il faut les bousiller.
C'est, te fonce dessus et déchiquette. Donc concrètement, c'est un peu du mode zombie, quoi. Ce n'est qu'on a collé des aliens par-dessus le marché, histoire de faire un truc un peu plus tactique, quoi. Un peu plus futuriste, peut-être. Voilà. Attends, allez. Alors, j'ai en profité qu'on soit pas dans une zone à risque. J'ai un lit. Pour demander un réapprovisionnement. Se rapprovisionner en même temps, ça c'est une bonne capacité d'ailleurs, ça évite du coup d'appeler à chaque fois genre 15 000 appareils pour réapprovisionner vos troupes. Maintenant vous pouvez tout faire en une fois, c'est plutôt pas mal en soi. On va prendre ça avant de faire n'importe quoi et on va essayer de renforcer la position. En sachant que l'autre ruche est pas loin. Se passez-vous, bon sang! La volonté! Là, j'ai un avantage par rapport à eux, c'est la hauteur. On va essayer de l'exploiter. Hop. Pour moi, il y a une marge de difficulté, ça devrait aller. Pas grand chose à faire à part blaster à ce stade-là. Sort en flamme. Voilà, on devrait les embêter. Ils sont même pas capables d'atteindre la zone. On va rappeler pour eux là. Soumun. Mal. Un véhicule d'appui, je vous prie. Ça, tu me le mets là. Des caisses là, les bestioles. Je pense pas que la zone par contre là-bas est attaquée. Base qui est attaquée, mais je crois que c'est celle du bas. Mais bon, ça a l'air d'aller. Là, je suis parti très loin là par contre. Ah bon. Des fois, il faut savoir ce qu'il faut faire. Dans la difficulté, là, c'est que... je me suis mis au milieu de la zone de difficulté, en fait. On va voir comment ça se passe. Allez, les gars, foncez. Allez, hop, terminé. Ils prennent un peu plus de dégâts, là, apparemment. On va prendre le moment. Ok, ça craint. Ça craint franchement. Je vais glisser une zone de redéploiement. Il va falloir que je fasse apparaître des unités que je leur déploie pronto. Ah, j'aimerais voir le tactique, mais je peux pas l'avoir dans les mains. C'est ballot. Tac tac. On va voir. Zut. De la piétaille, plus de piétaille, plus en secondaire aussi d'ailleurs. Bien, merci d'être arrivé les gars, bienvenue à la fiesta. Occupez-vous, on s'envoie en l'air dans 2 minutes, c'est pas qu'une façon de parler. Allez hop, hop, et on ramène tout le monde à la ZA. Parti. C'est bon, ça prend un peu de temps. Au moment ici, ça tient. On a perdu une escouade justement au combat, là c'est un peu chiatique. Et le reste devra pas tarder à arriver. Ils sont partis, ouais. Ils viennent de partir. Donc voilà. Ça débarque du mauvais côté. Allez, vite. Alors on y va. Première escouade en avant. Deuxième escouade en avant. Deux pour un, vous démerdez quand même. Go. Bon. Center of the station indicate the power core is starting to overheat. It must have been damaged when the bugs breached the facility.
You have to reach it before the reactor goes into meltdown. Intel reports a large-scale bug infestation in the center of that power station. You'll need to muster a strong force to clean that up. Intelligence calculates that the bug forces have been sufficiently weakened. You're instructed to concentrate on the remaining mission objectives. Mais là j'ai pas d'ingé et ça va devenir vite problématique. Ah bah non, ils sont les mêmes. Tu me les embarques. Intel reports a new bug threat in our sector. Tu me les enlèves. Qu'à serrer les fesses et attendre que ça arrive. Sir. Ça va le faire. À mon avis. les unités de renfort. Pas d'unité spéciale à déployer. Voilà l'unité dans ce cas. Allez, aux réparations. On y va. On bouge. Ah, il va dans la merde là. Non, c'est bon. Ça se décourage vite ces bestioles quand même. Allez, go! Unité radio. The tech heads here report enough turbines are operational. Good job. Ah, mais les mecs, vous faites quoi? Ah, et on n'est pas dédoués quand même. Ils savent pas contourner les véhicules. Voilà, il y a quand même quelques flots, on va dire, dans le gameplay des fois. Hein, on va pas se le cacher. Il se passe des trucs, des fois, je comprends pas bien. Mais bon. Très bien, ouais. Sirène. Les sous-munitions, c'est pas mal, ça j'aime bien. Ah. Oublions la convention de Genève deux secondes, hein. C'est pas valable contre les aliens, hein. C'est valable que contre les êtres humains. Oh bordel! Barrez-vous! Barrez-vous! Putain, fichu scarab qui vient d'arriver! Je l'ai même pas entendu arriver, Léon. Voilà, grosse bébête que John Rico élimine du coup avec. Waouh! Illumine avec une grenade sous la carapace. Il va peut-être pas se passer comme prévu. Hein. Wow, ouais. On n'était pas prêts, les potes. On n'était pas prêts. Envoyez-moi une escouade, allez. Allez, feu! Lance-grenade, suppression, c'est parti! Retournez en ligne de front, vite! On va les envoyer par là-bas d'ailleurs. Histoire de stabiliser cette situation. Yo! Mitrailleuse! Renfort, vite! On va parler de l'autre côté. Un renfort, non, tout se passe bien. On va les redéployer pour une ligne de front cohérente. Standing by. Pas mal. Ok, on a une tourelle en place. Tell us what to do. Toujours, ils ont perdu encore engineers, un renfort. Allez, vite. Là-bas, comment ça se passe en bas? Ça tient. La fête, mais ça tient. Ce sera suffisant à mon avis pour l'opération conduire. On va laisser un détachement pour l'interrogation. Ouais, on laisse un détachement. Besoin d'avoir un peu de manœuvrabilité au moins dans le cadre de l'opération s'il se passe quelque chose dans mon dos. Ah, mais ça me laisse qu'avec très peu d'unités. Beaucoup d'unités spécialisées en fait. Ah, c'est pas grave. Sur les unités spécialisées, ça semble bien. Il y a toujours cet équilibre en fait à trouver entre les lignards de base et le reste de la troupe, hein. C'est
peut s'avérer un peu difficile des fois. Il vous faut des lignards pour fixer l'ennemi, en gros, les petits ennemis de ce type-là. Mais il faut des unités spéciales aussi pour bousiller des trucs un peu plus conséquents. Avec ce qu'il faut, quoi. Des trucs qui volent avec des unités anti-vol. Des unités tank avec des unités anti-armure. Bref, il y a quand même pas mal de choses à coordonner si on veut que ça se passe à peu près bien. Je veux dire que j'ai peut-être détaché un... On va regarder toute l'équipe. On va regarder toute l'équipe et on va juste s'occuper de cette saleté au sud, là. Ça, c'est le principal problème actuel. Caméra en périmètre, là. Ça, c'est des ennuis. Test grand V. Et je suis en train de me faire acculer dans une impasse. Les grenades. Midi envoie grenade. Là. Je vais finir cette opération. Yes, sir. Allez, allez, allez. Roger that. Affirmative. Bouge, faucon, bouge, faucon, bouge. Il s'y attend qu'on n'avait pas. On va se débrouiller avec les unités qu'on a. On n'a pas le choix. Il nous faut avancer. Les radios rapport. Allez, allez, allez chercher vos potes. Allez, 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 on se dépêche, go, 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 go. En position. Une petite zone de drop qui va largement faire café. En formation, on avance, allez, allez, allez! Bazar. Bien le jeu. Wouah! Par contre, le fond direct te rapproche à grand pas. Vraiment songeux à se bouger le cul. Alors on y va, allez, allez, allez! Tigre! Allez, 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 allez! Wouah! Unité AT, feu! Grenade d'appui, feu, scatter shot. La palme. Miracle, il va me falloir une zone de drop, allez. Les unités qui ont besoin de renfort. Allez-y! Pack 1 et 2, on va voir! Intel shows a security building here. If you recapture it, we can gain access to the facility's security cameras. Vite, 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 faut que tu Infantry, standing by! The center of the power plant is secure. Ok, bonne nouvelle. Great work. Station is back up and running and power is being restored as we speak. Instructions are to leave any bug stragglers to the follow-up crews. Ah bon?
That's the best news I've heard all day. Cool. I'm going to get me a hot shower and a cold beer. Not necessarily in that order. Bonhomme. Dommage, on a pas eu le temps de se faire la dernière ruche. Bon, c'est pas grave. Enfin, tout ça pour vous montrer quand même que le gameplay a bien évolué. Le gameplay est fun. Et les missions s'intensifient. After the bug's defeat, Qualasha has become an oasis of calm in a violent galaxy. Grateful colonists enjoy an idyllic life working in the mines, safe under the Federation's watchful eye. The mobile infantry stands vigilant, ready to respond to any threat, big or small. Even in peacetime, there's still work to do. Just today, a group of miners were trapped underground after a cave-in. Hang tight down there, boys. Help is on the way. On va continuer là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a des missions aussi souterraines qui sont pas mal, parce que on retombe un peu sur les trucs genre missions de RTS avec un ou deux trois personnages en gros qui ont un rôle à jouer. Et c'est plus scénarisé en fait que vraiment RTS. C'est ça qui est assez fun. Nothing like a mock to make you appreciate the desert. Some seismic disturbance was picked up yesterday, then the line went dead. Third squad's gone in to have a look, and we've heard nothing since. Les ennuis, les ennuis. Yeah. Mm-hmm. It's probably just another rock fall messing with comms again. Well, let's do this by the book anyway. Allez, on va voir ça. Donc là, vous avez vu, les mutateurs quand même sont grands, il y a tigre, et on a croissance de ruche deux fois. On peut s'attendre à beaucoup de renforts. Par contre, on n'a pas... Alors, on a un ordre d'officiers stratégiques qui sont très utiles. À savoir que l'officier stratégique pardon, vous permet en gros déjà de désigner une cible pour concentrer le tir dessus, genre des bêtes quoi. Mais aussi vous fournit deux styles d'appui. Un renfort de combat, c'est-à-dire en gros vous fixez une cible alliée et elle devient plus résistante et tire plus vite, mais elle se déplacera plus lentement. Ou alors, je sais plus ce que c'était le deuxième, mais c'était assez cool, je crois juste que je le retrouve. Et il utilise effectivement un long grenade. Et là apparemment il faut pas que je le perde parce qu'il est très important dans la mission. Look sharp. Yes, sir. C'est bon pour le moment. Look sharp. Notez aussi qu'on a une escouade de snipers. Bon, une unité de snipers avec un mode d'action qui leur permet d'augmenter la vitesse et la cadence de tir, mais qui diminue la portée des tirs. Donc, c'est vraiment une offensive. Système pour le combat, quoi. Ok. Mais ça passe tel. There's a whole load of bugs in the room up ahead. We're going to have to think about how to handle this. Third squad is still alive. Pleasant surprise. We could take the bugs in a pincer movement. Mouvement de tenaille, ouais, pourquoi pas. Engineers, now hear this. Par contre, faut qu'ils soient capables de faire un mouvement de tenaille, les Toto, là. Sir, hurrah! Attendant, vous mettez en ligne, hein, et vous faites pas de bruit. Sir, nobody quits. C'est pas dans le tas. Escarmouche, les gars, escarmouche. Le fameux fou du Thumper M79 comme au Vietnam, oh, les délires. Mais j'avoue que le jeu, ce jeu me plaît de plus en plus parce que les missions sont tactiques, l'environnement est ma foi plutôt pas mal. Il vous propose une bonne diversité et d'armement et d'ennemis tout en mettant bien vos tactiques franchement à rude épreuve. Parce qu'il ne s'agit pas des fois simplement de déplacer une ligne de front, hein. C'est pas dur. Mais il y a des choses qui sont un peu plus délicates, comme par exemple là, je vais mettre certainement l'ensemble devant, positionner mes unités derrière et lance-grenade en appui. Logique, vous me direz. Mais bon, dans le feu de l'action, des fois on peut oublier ce genre de détails et ça peut rapidement tourner bien. Hein. Là, par exemple, oui, ils viennent de passer du coup en centre de formation, pas idéal. Mais bon, on fera avec. Et puis après, bon, bah, la complexité en fait de l'ennemi vient surtout en fait soit du nombre, soit de la spécialité de l'unité qui vous fonce dessus, soit les deux combinés. Et c'est souvent les angles d'approche qui sont difficiles à gérer concrètement. Parce que les angles d'approche en fait vont vous fournir soit des opportunités de combat intéressantes, soit de grandes difficultés au combat. À savoir que vous allez avoir des ennemis qui vont vous arriver par plusieurs secteurs. Il faut passer par là, je pense. On fait un coup de main au pote d'abord. C'est parti! En avant! Ça vient de se bouger un peu la deuxième là. Putain, mais la brosse en direct. Allez, feu!
En position et ouvrez le feu, bon sang. Parfait. Et réglé. Roger that. With me. On doit capturer ça. On va repositionner tout le monde là. Get that thing fired up. Heureuse capturée. On a mis ça à pas plaire aux bestioles, ça. We secured the first drill, but we've got big problems. Turns out the whole sector is crawling with bug tunnels. The drill shafts must have broken into them, and all hell's broken loose. Now, if we get the drill heads running again, they can mince up a whole lot of bugs down there. Might buy some time for the people upstairs, because the shit is going to hit the fan when these bugs reach the surface. The drills are run from the mine control room. They're simple enough to operate. We've just got to get there. Intéressant. Intéressant. Where do you need us? Good to go. Ouais, j'ai oublié les bougies lentes. Awaiting orders. Nobody quit. Je vais être embêtant. On va aller capturer la deuxième foreuse avec notre équipe. Donc me voilà du coup avec le difficile choix de savoir si je m'occupe d'une unité à la fois ou si je fais les deux en même temps. Techniquement, on va mieux faire les deux en même temps si on veut finir en les temps. Je pense pas qu'il y ait timer dans la mission, mais des fois ça arrive. Alors là, on a un truc assez chouette que le jeu a mis en place, c'est des spots lumineux. En gros, vous pouvez contrôler des tourelles ou des spots lumineux. Les spots lumineux accroissent votre capacité à observer la zone de combat. Du coup, et à révéler les ennemis dans les zones sombres. En gros, si l'ennemi n'est pas à portée de vue, et ben maintenant il sera et il sera aussi à portée de tir. C'est quand même pas mal. Ça vous permet en gros de gérer mieux vos ennemis et leur approche. On va la mettre par là d'ailleurs. On va envoyer le reste de l'équipe s'occuper. Voilà. Et on va envoyer. Détachement. Affirmative. Voilà. Pendant ce temps-là, l'autre équipe. Et ben, l'autre équipe va devoir progresser. Je crois pas qu'il y ait de passage là. Yes, sir. Non. Look sharp. Passe par là. I'm on it. Formation. Check every drill you can find. The more we secure, the more bug gumbo we can make when we turn them on. Ouais, ils veulent absolument en gros magic mixer en gros les bestioles à coups de foreuse quoi. Bon, pourquoi pas. Dire c'est une bonne idée. Après moi je ferais jamais ça parce que dans l'idée c'est, ça peut paraître une bonne idée, mais vous créez aussi des galeries additionnelles pour qu'elles sortent plus vite les bestioles. Donc bon, dangereux. Oh la vache, halt. Beaucoup de monde. Comment ça, il y a une bougie qui est demandée. Je vais faire un truc pour sortir la grenade. Délicat là, hein. J'avais pas voulu qu'il sache autant se tasser dans un corridor. Ça c'est bon, l'équipe est là et ok, on continue notre petit bonhomme de chemin. Sir, come on. Non, c'est principalement maintenant cette équipe là qui va rencontrer des difficultés. Squad moving out. Come on, you apes. Damn it. Restez pas derrière. Control room door is locked. We've got to get to that terminal to hack the lock. Sir, Roger that. Ok, donc je suppose que c'est une tâche pour l'autre escouade. Yes, maintenant. Ouah la vache. Ah, il s'enfuit. Oh, j'aime pas ça. Je sens pas ce truc. C'est par la gauche, de toute façon, c'est par la gauche. Ouais, on est obligé de faire le grand tour, d'accord, ok. Ouh, c'est pas bon ça. Ouh, c'est pas bon. Understood. Évidemment. Centrer le tir. Ça c'est le fameux bonus en gros d'unité, elle est soit capable d'accroître en gros
capacité d'offensive d'une unité ou les capacités défensives, changeur bonus. Enfin, ça se passe pas trop mal pour le moment. Je m'attendais vraiment une catastrophe là, mais ça va, on tient. Bon, continuons le mouvement, on perd pas la vitesse. Ces gars-là sont coincés jusqu'à nouvel ordre. La deuxième équipe a activé du coup ce système-là. Affirmative. This place is a goddamn maze. Oui, effectivement, c'est pas bon signe pour nous parce qu'on est au beau milieu du piège là. Come on, people. Oh punaise, en position. En gauche. Ah, le truc, on va mettre le paquet, flinguez-moi cette merde. On va perdre une escouade. Perdre une escouade. Wouah, ça va mal finir cette affaire. Come on, people. Yes, sir. On est vraiment restreint. Roger that. Yeah. Affirmative. Wouah, ils sont partout. Allez les grenades, vite! Ah shit! Ah zut! Ah, c'est pas bon pour mon matricule. C'est la partie. Chargé! Donc voilà, il y a quand même du challenge, hein. Ça se fait pas tout seul quand même là. Les missions qui deviennent de plus en plus dures, j'ai l'impression. Voilà. On commence à peu près sans trop de difficultés. On peut avancer, là ils vont rencontrer un paquet de monde. Yes, sir. La tronche de l'ennemi. Parce que si. Miss me. C'est un peu posé. Yes, sir. Pourquoi pas. Ils auront la capacité de m'améliorer. Et hop. Voilà, j'ai déclaré le début des ennuis et le début des festivités. Parfait. Unité, continuez votre mouvement. Première ligne squad, on avance. Voilà. Voilà comment, par exemple, on pourrait gérer ce genre de situation. De unit has been promoted, sir. Détaillé, dirais-je. Unité a reçu une promotion, très bien. Offensif. Sir. Hurrah! Listen up. Yes, sir. Roger that. La porte sera fermée. On continue de ce côté-là. Roger that. Good to go. Ah, on a un réappro d'unité par la porte, d'accord, super. Good to go. Et... Non, on les a eu. Yes, sir. Et ben, on va avancer. Good to go. Ouais, la partie vocale des personnages, des fois, est un peu casse-pied. On va se replier là. Allez, allez, courez, courez! On tire comme ça d'ailleurs pour la plupart des joueurs. J'ai à mon avis de laisser une équipe devant et une équipe derrière. L'équipe de devant part à tâtons et le reste après. Suit le mouvement. Quoi. Sinon, on va souvent se retrouver dans des goulots d'étranglement, j'ai l'impression. C'est qui est pas idéal. Hein. On viendrait. Affirmative. Ok. Quand tout se passe bien. Et voilà. Non, ça va, on a encore de la portée des espaces. Ouais, c'est pas mal, là. On a une bonne plume de front, on peut tenir. Juste aller envoyer quelques gaillards amorcer le bazar là. Enclencher les ennuis. Tourne. T'arrives. Je vais taquiner un peu pour les baits là. Les tigres sont bien résistants.
Move out! Affirmative. Roger that. Affirmative. Roger that. Et là, du coup, with je me. Me balade et tout le monde s'en fout en fait. Yes, sir. Oh non, ils s'en foutent pas. Move out. Fuyez les petits potes. On se fait râper. Ah, on perd de l'unité comme ça, c'est mort. Casse-pied, ça. Apparemment, le moyen. Hein. Pas de bonne ou de mauvaise méthode, là. Motion. Sauteur. Motion. Ouais. Si jamais. With me. On the move. This place is a goddamn maze. Je confirme. Là, j'ai vu les patounes se balader. On the move. J'ai pensé à mon avis qu'il y a encore des mecs en haut, peut-être. Alors, bon, que ça y soit plus. Apparemment, c'est plus le cas. Je ne m'en plaindrai pas, honnêtement. Roger that. Là, c'est une difficulté comme ça. Nous avons en plus d'avoir des tonnes d'ennemis sur le dos. Si c'est plus ou moins déjà le cas. Bon, alors. Move out. Roger that. Et en cul-de-sac. Yes, sir. On the move. Move out. Mur. On the move. Le front. Et c'est parti. Let's go. Everybody fight. With me. On avance. Affirmative. Move out. Yes, sir. Look alive. Come on, you wait. Hey. Trooper standing by. Yes, sir. Sir, with me. Je sais pas trop à quoi ça sert. Listen up. Pas grand chose apparemment. Engineers reporting. Jusque là, c'est un point où apparaissent les bestioles quoi. With me. Ok. Ouais, c'est grave. Ah, petite merdouille ça. Apparemment fait pour bec mes canons. Ah là, les renforts sont arrivés. Cool. Yes sir. With me. Allez, on perd pas de vitesse les gars. On maintient le mouvement. Affirmative. Ah, moi qui ai une reine, je sais pas quoi. Tell us what to do. Sir, with me. Infantry, standing by. What is it, yes, sir? Sir, stash your tools and move out. Roger that. Troopers, listen to that. Sir, affirmative. Yes, sir. Et là, en attendant, sir. Engineers reporting. Affirmative. Je veux pas de moussaki à de soldats. Pas le projet. Trooper standing by. Yes, sir. Roger that. Et c'est parti. Dis-moi ça, les gars. Sir. Trooper standing by. Parfait. Roger that. Sensors are picking up new bug hive activity. Oh shit, ils arrivent derrière nous. Watch out! Bugs coming out of the supply tunnel. Ah, je le savais, mais ils repassent derrière nous. We're gonna have to hold here until the security gates unlocked. Warm up everything you've got. Mm-hmm. Standing by. Yes, sir. Là, ils avancent. Bug attack inbound. Ah ouais, il me colle au cul en fait. J'ai vraiment le temps de le faire. Look alive, people. Look alive. As my OCO used to say, there's no such thing as bringing too many guns to a bug fight. Commandeer those ammo caches and get some MG turrets up. Yes, sir. Tell us what to do. You've got the ammunition caches. I want those turrets positioned ASAP.
Ça va chier. Oui, caméra, vite. On va repérer l'ennemi en approche. Une toile. Voilà, allez, 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 allez. Non, c'est l'autre équipe qui doit avancer pendant que l'autre est en difficulté. Ouah, ça va être le bazar. On monte sur la plateforme, on monte sur la plateforme. Tout le monde en position de tir. L'autre équipe, ça a eu 2-3 contacts, mais ça tient. On reste près d'une foreuse apparemment. Compliqué la mission, ça devient assez tendu. J'ai une équipe en difficulté et l'autre qui doit pallier à la difficulté de l'autre là. On va en train de se déployer un peu là. Premier escouade en avant, deuxième escouade sur la droite. Sniper, poursuivez. Et une autre foreuse en ligne. Comment ça tient? C'était ça le passage que je pouvais pas capter. Il m'envoie des mecs en permanence sur la tronche. Je suis obligé de battre en retraite tout le temps. Quoi. J'ai raison, moi, fait un peu paniqué. J'ai cru qu'il y avait encore plus gros modèle qui arrivait. Hein. Ah! Aidez! Et on va, on y va! A unit has been promoted, sir. Roger that. Arrive, feu. En avant, en avant, en avant. Voilà. Contact. En ligne, allez, 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 vite. Ça tient. Ah bien, squad, en avant. Alert. Bug attack inbound. Ouais, ça va être difficile là. Il y a des tigres en plus qui viennent d'apparaître. Ça va vite devenir problématique là, la zone là. On va gérer ça au rasoir, comme on dit. Mais on n'est pas loin là, ça devrait le faire. Yes, sir. Allez, 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 allez. Il faut. There's a security terminal. Get on it. Activation terminale de sécurité. Ok. Non, c'est un timer. Done. The gates are open. Troopers. Et hop, on se casse. Le problème persiste. Hein. Vous verrouillez la porte là? Non. Yes, sir. J'ai des renforts. Engineers, follow me. Stash your tools and move out. Roger that. Roast them and toast them. Engineers, follow me. Et parti. Stash your tools and move out. Comment ça tient si les ennuis viennent ça se préciser? Les ennuis se précisent. We don't have the firepower to chew through that lot before they chew through us. We've got to get topside and the command know what's going on down here. Voilà, marée, quoi. Officier stratégique, point d'évacuation. Ah ouais, mais les gars, si vous commencez aussi à faire de l'auto-fire, c'est pas bon, c'est pas bon. On peut nourrir ça. We've got a unit under attack. What is it? Yes, sir. Allez, allez, vite. We've got a unit under attack. Yes, sir.
go, 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 go! Roger that. Burn them! Affirmative. Alors, on n'embine pas les petits potes. Roger that. Cassez les murs, continuez. Qu'est-ce que c'est que ce plan encore? Affirmative. Passage du bas. Roger that. Burn them! A unit has been promoted, engineers, sir. Follow me. Roast them and toast them. Système attaque. Sniper, ils ont un tir paralysant, ça peut aider même de grosses bêtes. Disrupteur pour les corridors. Viens en avant. Come on! Ah la vache. Merdouille. La merdouille. Come on, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 allez. On voilà. Allez, allez, on y va, on y va. On s'arrête surtout pas. Fire le mouvement. Yes, sir. Kill him. Kill him all. Fire at will. Squad moving out. Open fire. Maniez-moi ces bestioles. Je sais pas trop comment ils font pour leur tirer dessus, mais apparemment ça marche. C'est ce qui compte. Michel Projo qui est resté sur son Projo d'ailleurs. Vous y êtes tigré, vite. Ça va vite sentir le roussi si on bouge pas là. Allez, allez, allez. Maintiens le mouvement. Ça, il a pété correctement. Drone. Wouah. Faut pas s'arrêter. Surtout pas s'arrêter. Ça risque de devenir vite compliqué à cette vitesse là. Et on a combien de bestioles? Allez, allez, allez. En voilà d'autres. Pas tous, hein, pas des mines. Yes, sir. Une escouade vite. Ok, pour la dernière foreuse. On se casse. C'est nickel, hein. Et hop, on y va. We crushed a hell of a lot of bugs, but there's lots more where they came from. Super. Let's get topside. C'est bon. Bon. Allez, on se fait une petite vidéo pour la fin, histoire de savoir ce qui se passe. Attacks are reported across Quilasha, overwhelming local defenses. But hope is not lost. The tide of insects will meet their match at Fort Maru, the mobile infantry's formidable base of operations. From their new headquarters in high orbit to oversee the conflict, Military Command has expressed their full confidence in Maru's ability to withstand the coming siege. Don't doubt this redoubt. The bug stops here. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous dis à la prochaine fois. C'était Krieger du coup pour Starship Trooper Terran Command, le nouveau jeu d'RTS qui, en conclusion générale, est un bon jeu. Si on apprécie un peu la micro-gestion d'unités, un peu comme on fait dans Company of Heroes, mais dans un schéma de combat différent, vous avez quand même des combats avec des ennemis humains qui vous tirent dessus, mais c'est rare, c'est principalement les insectes qui vous ennuient, donc faut aimer ça. Moi je dirais, pour les gens qui aiment bien les jeux tactiques, en façon un peu RTS, combiné avec un style un peu zombie ou alien, vous êtes dans le tas là, hein. Je veux dire, si vous avez aimé les films, vous serez complètement convaincu dès le début, y a rien à redire. D'autant plus que l'histoire du jeu se suit complètement avec le premier film et incorpore des éléments d'autres films. Hein. Je crois savoir qu'il y a aussi des scorpions à un moment, qu'on a aussi les unités exosquelettes et compagnie.
Donc voilà, il y a de quoi faire, honnêtement, voilà. Donc, plutôt bien, en résumé, je vous le recommande vivement. C'était donc Krieger sur Starship Trooper Terran Command. Je vous dis à toutes. Tchuss!